Rubis de feu là ici. Bien fait, j'ai bien fait de chercher dans Spo. Donc l'océan ici, il n'y a pas de musique du tout, hein, je suis au courant. Et donc, waf waf. Ouais, waf waf si tu veux. Il remue la queue. Oh, il est content. Il est content, il est gentil le chien. Oh, je craque. Ah, ce chien s'appelle Turbo, il est marrant, hein. Effectivement. Allez, en route. Peut-être rencontrerons-nous Luc et. Enfin Lily, Luc et Eric. Ils se dirigèrent vers Frisia. Ah, Frisia. Grande ville. Très grande ville. C'est joli, quelle ville splendide. Les gens qui vivent ici doivent avoir de belles âmes. Quel couple charmant. Vous désirez rester pour la nuit? Non, pas encore, nous cherchons quelqu'un. Bien, mais pourquoi ne pas baser vos recherches ici? C'est d'accord, je suis éreinté. Paul, qu'en penses-tu? On se repose? Frisia et la ville des fleurs. Quel bouquet d'arômes! Ouais, ok, effectivement, on voit des pétales de fleurs qui volent partout. C'est vrai que c'est très joli tout ça. Ouh, on voit deux gens qui s'embrassent. On va les emmerder. Le premier étage n'est pas nettoyé, demande pas. J'aime bien jouer mon enfoiré, tiens, là pour azioter. Il avait une poussière dans l'œil. Et elle m'aidait à l'enlever. Ah oui, effectivement. Je les dérange plus, promis. Je leur assure leurs petites affaires. Ah, c'est trop fun. Entrez, entrez. C'est l'auberge, entrons. Alors, bienvenue dans l'auberge. Ah, une tête connue. Entrez. Paul et Flora. Lily, mais c'est Lily. J'étais très inquiète. On ne s'est pas vu depuis plus d'un mois. Je travaille dans cette auberge. Luc est dans la pièce de droite, elle va le voir. Alors Luc. Ils disent que je ne sais pas qui je suis. Bizarre, non? Si je ne sais pas qui je suis, comment suis-je arrivé ici? Ah, on dirait que Luc a un petit problème d'amnésie. En s'échappant du Virmaya, Luc s'est heurté la tête. Le docteur a diagnostiqué une amnésie temporaire. Je pense que Luc devait rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. Effectivement, c'est une idée. En l'occurrence, moi je vais chercher un petit point de sauvegarde parce qu'il faudrait peut-être qu'on pense à sauvegarder depuis le temps. Outre le point de sauvegarde, je vais chercher. Enfin, je fouille un peu les chambres en attendant. De mon souvenir, il y a un rubis de feu qui se cache quelque part, je sais plus où. Donc je fouille les salles rapidement, hein, désolé. Ils ne sont pas là-dedans. Pas là, pas là. Pas là, pas là, pas là. Ah, ici. Donc voilà, c'est bon, j'ai trouvé le rubis de feu. Je me souvenais bien qu'il y en avait un là-dedans. Il y en a d'autres aussi, mais il faut que je les retrouve. Il me semble que c'est pas le seul qui est dans cette ville. Mais bon, on va aller. Je vais chercher un point de sauvegarde, que je sauvegarde mon aventure. De plus, je n'ai pas vu Eric depuis l'année dernière.
Eric est parti. Je suis content que tout le monde en soit en vie, mais... Ah, ouais. Ouais, effectivement, le pauvre est complètement amnésique. Faudrait que je regarde cette histoire de Luke qui est amnésique, s'il n'y a pas une histoire de... C'est fermé de l'intérieur. Ok. Moi je cherche... Oh, c'est le bordel chez toi mec. Cet endroit est toujours nickel. Peut-être que tant de manuscrits te dérange. Ouais. Alors lui, on a... lui et moi on partage un point commun, c'est le... la définition du mot rangé. C'est autant le bordel chez moi que chez lui. Alors, voilà, alors, nous, moi, ce que je cherchais, c'était un point de sauvegarde. On doit bien avoir ça quelque part. Mmh. On va causer à la madame. Une maman est toujours inquiète. Si son enfant est en retard, elle s'imagine le pire. Ma mère est exactement pareille. Ah, apparemment, t'as un gosse et qu'il est en retard. Bref. Moi, il me faut un... Faut un point de sauvegarde. Un point de sauvegarde. Ah. Si tu tiens à la vie, pars d'ici. Ok. Ah, j'aurais. Ah, j'aurais bien vécu. Ah, j'aurais bien ri. Bizarre. Gemme de PV. Des herbes. Ah, je suis dans un quartier un petit peu reculé apparemment. Et j'ai trouvé une gemme de PV. J'ai des rubis de feu, j'ai des herbes. Ah oui, ça c'est... Oui. C'est pas là-dedans que je trouverai mon point de sauvegarde, moi. Je cherche un point de sauvegarde. Après on pourra continuer, mais c'est vrai que si j'ai pas de point de sauvegarde, c'est plus dur quoi. Si mes souvenirs sont bons, il y en a un par là. Personne n'en... Bouh! Il vient de me cracher des flammes à la gueule, mais il vient de s'enflammer les cheveux. Dans cette poubelle, il n'y a rien apparemment. Un esclave s'est enfui, l'as-tu vu? Où est-ce que je suis tombé là, moi? Ah, le voilà mon petit abri. Bon, on va sauvegarder tout ça. Et donc apparemment nous avons des soucis avec des contrebandiers. Oui, j'enregistre. Enregistrement achevé. Suis ton périple. Oui, je poursuis. J'ai fait une micro coupure, mais bon, vous n'avez pas à le savoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on faisait ici déjà, vous voulez-il? Ah oui, il y a un esclave qui s'était barré. Là, on peut toujours pas passer. Oui, donc nous sommes dans Frisia, hein. Toujours. Ah oui, lui, il met le feu à sa tignasse comme j'ai vu l'autre fois. Ouais, pas pour pas en cacher, en fait, la micro-coupure a duré plusieurs jours. Camp d'esclaves. Je ne cogite plus. Plus je cogite et moins j'ai d'idées. Intéressant.
Je pourrais dire la même chose. Ouais, ouais, attendez, alors là franchement, là ça a l'air d'envoyer du très très lourd là. Je ne crois pas aux esprits, sinon à quoi serviraient les biens matériels? Réfléchissons tous ensemble à cette question. Je pense qu'il serait bon temps de réfléchir là-dessus. Ah, j'avais oublié qu'il y avait... Ah oui. Donc si je veux, je peux... à quoi ça sert de faire ça? Ah oui, ça aille là. Qu'est-ce qu'on a par ici? D'en haut viendra une force immense, Paul, ce sera la force de la fin du genre humain. Je sais plus qui a fait cette prédiction, mais j'essaie d'oublier. Oui, encore cette fameuse histoire de fin. Qu'est-ce qu'on a ici? Marché aux esclaves. Je n'aimerais pas être dans ta situation. Je me moque de ce que les gens pensent, j'ai assez de mal à prendre soin de moi. Ah. Donc c'est pour ça qu'il faut des esclaves. Ces esclaves ont le même âge que toi. Souviens-toi, il y a beaucoup de mystères sur Terre. Là aussi, bah vous voyez, là on commence vraiment à entrer dans du lourd. Hein. Dialogue enfantin, des trucs un peu plus profonds quand même, tout de suite. Hé mon gars, les enfants ne viennent pas ici, va-t'en. Ou alors, tu veux un esclave? Pas forcément, on va répondre oui pour l'instant. J'aime ta bravoure, je ne sais pas ce que tu recherches, mais vas-y, regarde. Je suis Imar, on m'a kidnappé dans mon pays, là-bas en Asie. Nous sommes des chasseurs de gibier, notre tribu vit du gibier, ouais. Mais tous les animaux ont succombé à une maladie inconnue. Ah. Désolé pour toi, mec. Je suis Rémi. Il n'y avait plus de gibier et nous mourions tous de faim. Un homme est venu nous embarquer sur un navire. Nous ne connaissions pas notre destination et maintenant nous sommes des esclaves. Ah. Triste aussi pour toi. Je m'appelle Victor. Ah, bah c'est lui qu'on a eu le mot dans la jarpe en côté à la dérive, je crois bien. La nuit dernière, Eric, un employé de l'auberge, nous a secourus. Le trafiquant des esclaves nous a rattrapés. Eric est prisonnier dans une maison en ville, à l'angle d'une rue Valédée. Ah, notre pote est donc enfermé par un trafiquant. Donc séquestré contre son gré. Pas un trafiquant d'esclaves, hein. Intéressant. Par contre, je sais pas comment l'aider parce que... Parce que chaque fois qu'on s'approche de la porte, on se fait rejeter. Femme, un employé de l'auberge a été fait prisonnier par les trafiquants d'esclaves. Oui, c'est ce qu'on vient de me dire. On ne pouvait rien faire pour lui, c'est l'esclave qui s'est enfui hier. J'aurais dû en parler au trafiquant. En le cachant, je m'explosais au pire. J'entends, il ne dit rien. Si ce n'est pas pour moi, je veux pas qu'il ait des ennuis. Ok, d'accord. Il cache un esclave chez lui. Non, moi, je suis pas de ce bord-là, je ne me voudrais pas à le dire. T'inquiétez pas. Alors une petite astuce que j'ai pas tout de suite ça, mais j'ai appris. C'est que là on peut passer par là. On peut passer par là. Et là. Ah, tu comprends la mentalité d'ici. Parfois ce que tu crois être futile est en fait très important, ainsi va la vie. C'est un cadeau, prends-le s'il te plaît. Il me glisse un truc dans la poche. Et ce truc en question est un rubis de feu et j'en ai plein. Donc on va les envoyer. Non, on va essayer plutôt de voir s'il n'y a pas Samuel le bijoutier qui traînerait dans les parages. Mais je sais plus où il est, faut que je le retrouve. Voilà. Alors Samuel.
Où es-tu? Non, c'est pas là. Samuel, faut que je trouve Samuel. Ah, sa sortie de la ville par là. Il est peut-être bien là-dedans, Samuel. Une maman est toujours inquiète. Si son enfant est en retard, elle s'imagine toujours le pire. Ma mère est exactement pareille. Ouais, je sais. Je sais ce que c'est. Bon, je ne dis pas où est Samuel. Écoute-moi bien, ne va pas dans les rues en arrière, j'y suis déjà allé. Une rose à des épines et bien une jolie ville à son côté sordide. Oui, j'avais remarqué. Toujours pas là. Samumu. Ah, je suis sûr que c'est toi. Ah, voilà. Car pour te dire 8 feux. Mon pouvoir de vie augmente. Cool. Te donner des rubis. Je m'attends 13 rubis dans le sac et j'ai collecté plus de 12, donc maintenant ma force augmente. Bien. Inventorialis, on en est où? Voilà. Très bien. Donc, on en est à 13. Donc, le prochain, c'est un pouvoir spécial. Hop là. Ça, c'est fait. Donc, maintenant, il faut qu'on libère notre pote. Alors, on libère notre pote. Faut qu'on libère notre pote. Wadom, si tu tiens la vie, pars d'ici. Paul, connais-tu un certain Eric? Jamais entendu parler, pourquoi? Paul, aise-toi, sauf moi. Chut, tiens-toi tranquille, mon garçon. Je vais enfoncer la porte. Voilà, défonçage de porte en règle. Eric, incroyable. Tu es venu me secourir. Je ne pensais pas que tu allais fracasser la porte. L'homme a eu peur et s'est enfui. J'ai essayé de pénétrer dans le camp pour libérer les trois des amis esclaves. Ah d'accord, c'était tes amis. Ok. Je fus découvert et maintenant je suis ainsi. Ok. Les esclaves travaillent de force dans une mine de diamants. Je vais te dire où elle est, va les libérer, je t'en conjure. Ok, donc maintenant on va aller dans une mine. Voilà, ok. Ça c'est fait, la mission de sauvetage d'Eric est accomplie. Je vais aller voir à l'auberge vite fait. Non, c'est pas là. C'est pas que ça se passe. Je vais aller à l'auberge vite fait pour poser, pour parler un petit coup avec tout le monde. Et puis après, ben, je vais aller vers la mine. Je pense que Luc devrait rester ici jusqu'à ce qu'il aille mieux. Je suis content que tout le monde soit ici en vie, mais ouais, ok. Qu'il est bon d'être entouré d'amis. Si seulement je n'étais pas si triste. Je me languis tellement de mon pays et de mes parents. Bah t'es capable de partir. C'est ce que j'allais dire. Et donc lui, la musique. Donc, on va se rendre à la mine diamantée, qui est en fait le deuxième. Enfin, le jeu est organisé de telle façon qu'il y a un donjon principal et un donjon secondaire. On a eu un petit donjon secondaire qui était le cachot, on a eu un donjon principal qui était les ruines Maya. Et maintenant on va faire un deuxième donjon secondaire. Et